thing in the wind, ya. What is that in the wind, ya? 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 Gloire à Dieu. Changez la Bible dans Bilique. Si vous avez apporté vos Bibles, alors prenez-les. Parce que nous allons entrer dans l'écoute de la parole de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est bon. Changez la Bible. Si vous avez... Et si vous avez apporté vos Bibles et que vous ne les avez pas oubliées à la maison, si la Bible est à la maison, on ne sait pas. Voilà, nous allons voir comment on a fait la même chose. Même à l'école, on a tellement honoré l'éducation qu'on a donné des ardoises noires aux enfants ainsi que des cahiers des bics rouges et des bics bleus. Attends, ça va. Et lorsque nous empruntons un chemin qui nous mène vers les cieux et que nous n'apportons pas nos bibles, mais si nous nous trompons, qu'allez-vous faire après? Si vous n'avez pas la Bible pour voir, est-ce que ce qu'il dit là, c'est la vérité? Vous voyez? Ce que nous allons nous entretenir ce soir, nous allons parler de la sanctification. Et le thème de ce soir nous dit la sanctification met un cœur en ordre. La sanctification. Dieu utilise la sanctification pour apaiser son cœur. Deux fois, le cœur de Dieu s'attriste. Lorsque son enfant arrive à le désobéir, et si la personne reconnaît qu'il a fauté, du fait que Dieu l'a et pardonner, son cœur s'apaise. Sousanga. La tristesse n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Parce que c'est le cœur qui est le moteur de la vie. Donc lorsque le cœur s'attriste, en ce moment, la personne n'a plus de relation ni de connexion avec le Seigneur. Parce que Dieu est saint. Parce que lorsque tu veux mettre quelque chose qui n'est pas saint en connexion avec le Seigneur, le Seigneur ne va pas le permettre. Raison pour laquelle on appelle beaucoup les chrétiens. La venue de Jésus, ils vont inspecter les cœurs pour pouvoir élire. Et les cœurs qui seront en bonne disposition, ce sont ces personnes-là qui vont être enlevées. Ces personnes-là, ce n'est pas quelqu'un qui va les prévenir de la venue de Jésus. Même si ces personnes là dorment, les gens vont les réveiller et leur dire, viens avec nous.
Parce que ton cœur est un cœur pur. Donc, il y a sugar kosholat nangum. Tu ne vas pas. Donc, nous allons parler de la sanctification afin que les gens cherchent. Lorsque tu dis que tu connais le Seigneur et que tu ne te sanctifies pas, et tu ne cherches pas à pardonner aux autres, il vaudrait mieux pour toi ne pas connaître le Seigneur. C'est lorsque quelqu'un d'abord est condamné à rentrer à l'enfer. Donc nous allons lire dans Matthieu chapitre 12 au verset 43. Matthieu. Chapitre 12 au verset 43. Et nous allons nous arrêter au niveau du verset 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il assurera de même pour cette génération méchante. Jésus nous a parlé par rapport au fait que les démons sont déjà descendus. Et ils sont plus nombreux que les hommes sur la terre. Il est dit que n'eût été la venue de Jésus, il n'y a personne que le démon du diable n'utilise pas. Aïe. Non. Si toutefois tu es né et qu'un démon n'est pas en toi, cherche donc qu'ils vont envoyer la maladie. Et cette maladie va dire, les gens vont interpréter cette maladie pour dire que c'est l'enfant qui a besoin d'un nom. Et ils vont aller consulter les devins. Et les devins vont montrer l'autel ou l'idole auquel l'enfant doit être allié. Et ils vont aller prendre un poulet pour aller donner à l'idole. Et maintenant, ils vont prendre le nom de l'idole pour donner à l'enfant. Donc, en ce moment, l'enfant a un autre Dieu et ce n'est pas le Dieu qui l'a créé. Et lorsque l'enfant va grandir et arriver à se marier pour enfanter des enfants,
à Kamala yang sa fan. Ses enfants et ses petits-enfants sont possédés par le démon de l'idole. Donc tant que le jina a jinda mana chenye showa pour. Donc les démons de cette idole là vont pénétrer et utiliser ces enfants là. Et en ce moment, il n'y a plus de blocage. Parce que la mère et le père de cet enfant-là sont déjà dans l'idole. Lorsque vous êtes propriétaire d'une maison et lorsque vous allez rentrer dans la maison, personne ne peut vous empêcher d'y entrer. Lorsqu'ils vont y entrer, l'enfant devient leur propriété et ils mettent à cet enfant-là leur désir. S'il veut, il peut utiliser l'enfant pour des bagarres. S'il veut, il peut mettre la folie en cet enfant. S'il veut, il peut transformer cet enfant-là en une personne bête. Parce que l'enfant les appartient. D'autres même, il leur dit, vas-y, suscite-toi. Parce que les démons ne meurent pas. Donc, et lorsque la personne obéit à cette voix-là et part pour se suicider, et les démons sortent de ce corps-là et c'est le corps qui est mort. C'est lorsque la personne, le démon qui est en cette personne et cette personne refuse ses désirs. Donc à ce moment, donc ce qui veut dire que vos aïeux et vos grands-parents qui se sont allés et s'abonner au niveau de l'idole, oh, ils n'ont plus besoin que vous allez vous confier à l'idole. Vous êtes déjà un enfant de l'idole. Donc maintenant, lorsque vous voulez y entrer, c'est parce que vous voulez être gradé en ce moment. Sinon, vous êtes déjà un enfant de l'idole. Donc, il y a un petit... Pour dire qu'avant la venue de Jésus, c'est Satan qui régnait dans les cœurs des gens. Et lorsque Jésus est venu, Jésus est descendu avec une puissance et avec une nouvelle alliance. Et lorsque l'enfant d'un idole, à cause de ses grands-parents, et qu'ils viennent vers Jésus, et que cette personne se convertit et que la personne a le salut, en ce moment, le lien qu'il avait avec l'idole là est interrompu. Pour dire que le démon qui était en cet enfant à travers l'idole, du fait que l'alliance a été détruite, et maintenant cette personne devient la propriété de Jésus, la parole nous dit ici qu'il sort et qu'il laisse la personne. Dieu a donné un esprit à Jésus qui est un esprit sans limite. Donc Jésus prend son esprit et il met en cette personne-là après la conversion. Et on appelle la personne une personne qui est née de nouveau. Du fait qu'il s'est converti, cette personne est née de nouveau. Pour dire que l'ancienne naissance est détruite. Maintenant, s'il veut prier et être rempli du Saint-Esprit, ça c'est autre chose. Mais du fait que la personne s'est convertie et que l'alliance que sa personne avait avec le diable est interrompue, la personne est née de nouveau en ce moment.
La wena mkamane, nisha te jine vie. Et Dieu n'a pas permis qu'un homme peut vivre étant vide en lui-même. Il y a deux puissances qui gouvernent ce monde. En esprit. C'est la puissance de l'esprit du Seigneur et la puissance de l'esprit du diable. Et ces deux puissances-là dominent l'homme. Et personne ne peut empêcher cette puissance d'entrer en une personne. Donc, cela fait que lorsque vous vous convertissez, l'esprit du diable prend la porte. Et lorsque l'esprit du diable sort, c'est maintenant la tristesse. Parce qu'il y a d'autres démons qui n'ont pas encore leur demeure dans un homme. Et Jésus dit qu'il le qualifie d'esprit impur. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il part dans les lieux arides. Il a dit que si l'esprit impur habite dans un homme, et l'esprit conduit la personne à se souiller, à faire toutes sortes de souillures. Et la souillure est pour les démons. Raison pour laquelle d'autres leurs démons les poussent à commettre la débauche sans cesse. D'autres leurs démons, une seule femme ne les suffit pas. D'autres femmes, un homme ne les suffit pas. Ils ont appris aux hommes qui peuvent mettre de l'eau dans un canari pour aller adorer un idole. Et tuer des poulets et des chèvres. Et il peut même tuer des poulets ou des chèvres confiés à cette idole-là pour demander des enfants. Et lorsqu'il tue les animaux pour demander, ils viennent rendre grâce avec des poulets ou des moutons. Il tue le poulet ou bien le mouton. Et il verse le sang de l'animal dans le canari. Et le reste, il asperge maintenant le canari tout autour. Et ils utilisent maintenant les plumes du poulet pour mettre sur le canari. Vous dites que le sacrifice qu'ils sont en train de faire là, lorsque le sacrifice arrive à durer, le sang commence à pourrir et il y a des vers qui viennent. Et lorsqu'une personne est malade ou une personne a besoin d'aide, on le confie à l'idole et on utilise l'eau ou bien le sang qui se trouve dans le canari qui est pourri et il y a des vers à l'intérieur. On utilise cette eau pour donner à cette personne à pour boire. Et Jésus a nommé cela esprit impur. Esprit impur. Lorsqu'il sort d'un homme, il va dans les lieux arides. Vous voyez? Tout cela que Jésus a appelé n'était pas vide en eux-mêmes. Jésus est venu, il a cherché le démon qui était en cette personne, et la personne devient vide, et Jésus prend la personne.
Donc, lorsque l'esprit prend maintenant la place de cet esprit impur, vous dites que le démon qui le démon qui était dans le cœur de cet homme là, et le cœur de cet homme est souillé en ce moment. Lui, il ne balait pas. Lui, il ne fait que souiller. Lorsqu'il est dans le cœur de cet homme-là, ce sont des mauvaises pensées, des mauvais désirs, vous dites la convoitise, oui, la désobéissance. Vous dites que là où il se trouve, là, il n'y a que des saletés. C'est ce que l'esprit impur apporte. Il n'y a pas de bonnes pensées. Lorsqu'il est dans le cœur de ces hommes-là, il fait en sorte qu'ils s'accusent les uns les autres. Et ils n'attendent pas pour avoir un bon témoignage avant de juger, et ils jugent avant le temps. Donc, le mauvais esprit donne des paroles aux gens qui les souillent. Et vous pouvez parler d'une personne et mettre la personne là où la personne n'est même pas. Et tous et les auditeurs vont dire que la personne là est souillée. Et ses paroles viennent des esprits impurs. Et il ne fait que consulter les devins. Et tous ceux qui partent les consulter. Ils seront obligés d'accuser d'autres personnes. Tu vois qu'elle n'a pas la solution à tes problèmes, mais c'est à cause d'une telle personne. C'est une telle personne qui te souhaite cela pour toi. Est-ce que tu peux aimer une telle personne? Mais tu vas commencer à haïr la personne. Donc ton cœur va commencer à être souillé. Voici ce que l'esprit impur crée. Et la parole de Dieu dit, lorsque l'esprit impur sort, et que l'esprit du Seigneur prend sa place, Jésus a donné sa parole. Et il a dit, lorsque l'esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et il est en vous. Et lorsqu'une femme ou un homme marche dans la vérité, c'est parce que la personne obéit à l'Esprit du Seigneur. Et raison pour laquelle l'Esprit du Seigneur l'accompagne. Lorsqu'un homme ou une femme est né de nouveau, et que la personne en retour obéit à l'esprit impur qui le conduisait à faire la débauche et le péché, et qu'il consulte les devins, l'esprit le montre de ne plus commettre les actes de l'esprit impur. Parce que l'esprit impur qui est sorti n'est pas mort. Il cherche une occasion pour revenir. Donc l'Esprit Saint met en cette personne la tristesse du fait que la personne se trouve dans la nouvelle naissance. Et voulant toujours obéir à l'esprit impur, commettre la débauche, la joude, et voler, la nourrame, et continuer à boire. L'Esprit Saint qui se trouve dans le cœur de cette personne envoie la tristesse. Et le dit d'aller se repentir. Parce que l'Esprit qui est sorti, il a vu ce qu'il a commis. Et il a même jugé. Et il voulait venir prendre sa place. Mais ce que tu as commis là, du fait que tu as désobéi, l'Esprit Saint est attristé. En ce moment, l'Esprit Saint n'a plus le droit sur toi. Et l'esprit impur s'appuie sur ta désobéissance, voulant vous venir demander sa place. Il dit, je veux ma maison. Il a fait un acte qui prouve qu'il est à nous.
Vous n'avez pas été envoyé pour conduire tous ceux-là qui sont des menteurs. La personne ment, mais il ne s'est pas repenti. Esprit Saint sort, nous les esprits, et puis nous allons y entrer. Mais la parole nous dit que si la personne marche avec la parole du Seigneur, comme la parole de Dieu, lorsque vous mettez en colère, ne permet pas que le soleil couche. Et se couche sans que vous ne pardonnez les uns les autres. Et ne donnez pas accès au diable. Donc tous ceux qui ne marchent pas selon la parole du Seigneur, lorsqu'ils se mettent en colère, le diable les juge. C'est mon temps maintenant. Il n'est pas dans la patience. C'est mon temps maintenant. Il m'a dit que l'esprit du Seigneur étant un esprit de gloire. Et qui marche selon la parole de Dieu, il ne veut pas l'opprobre. L'esprit se sort en ce moment. C'est Jésus même qui l'a dit. Lorsqu'il sort, du fait qu'il est rentré, il a mis le cœur en ordre. Il a fait sortir la peur, même les mauvaises pensées et même les mauvais désirs. Et la personne peut dormir en toute tranquillité. Et comme la personne a désobéi, ne voulant pas se repentir, et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu prend la porte, en ce moment, l'Esprit impur revient. Et la parole nous dit qu'il a des yeux et il voit. Lorsqu'il vient, il voit. Et il voit que la demeure là où il était là, est propre et bien balayée. Et celui qui a mis la maison en ordre n'est plus là. C'est-à-dire que la demeure là où il était n'a refusé celui qui a mis en ordre la maison. Si je suis un cura. L'Esprit du Saint a pris le temps pour exhorter la personne et la personne a refusé. Et du fait qu'il a commis la débauche, il ne veut pas aller se sanctifier. Du fait qu'il n'enlève même pas, il ne donne pas la dîme, là, il ne veut pas aller se repentir. Du fait qu'il est un hypocrite, là où il travaille, il ne veut pas aller se repentir. Du fait qu'il jalouse, il ne veut pas se repentir. Du fait qu'il a commis un avortement, il ne veut pas se repentir. Et dit que c'est ceux-là qui envoient le propre sur le Seigneur. En ce moment, l'esprit de gloire sort. Et maintenant, l'ancienne naissance, l'esprit impur qui avait pris la porte, dit que l'esprit impur, lorsqu'il a vu, il commence à se acquiescer. Il acquiesce. Donc celui qui m'avait mis à la porte est parti. C'est parce que moi j'étais seul. La raison pour laquelle il a pris le dessus sur moi. Jésus a dit qu'il va partir parmi les démons. Les démons qui n'avaient pas de demeure et qui peuvent détruire une personne. Il part parmi les démons. Il dit, j'étais dans ma demeure et on m'a fait sortir de cette demeure par force. Et j'ai vu que celui qui m'a mis à la porte n'est plus dans la demeure. Et je veux cette demeure plus méchant que moi, qui sont plus puissants que moi. Afin qu'il puisse venir demeurer avec moi dans ma demeure. Si nous sommes un homme de sept, lorsqu'ils vont venir pour nous chercher, nous les sept là, on va vraiment les combattre. Hein? Ah oui. Donc, la parole Et la parole dit que les sept démons que ce démon impur a demandé vont se présenter. Parce que les démons sont derrière les uns les autres. Si vous voyez un seul démon, il faut savoir que vous avez vu tous les démons.
Et Jésus a dit qu'ils vont venir rentrer. En ce temps à cette femme-là qui s'était convertie. Et qu'il avait reçu la nouvelle naissance. Et l'esprit de la nouvelle naissance était en cette personne. Et que cette personne continue à boire l'alcool et à commettre la débauche. Et l'esprit du Seigneur s'est attristé et que l'esprit du Seigneur a pris la porte. Et la parole dit que ces démons vont venir rentrer. Et ils ne demandent pas à entrer. Et un démon ne demande pas à une femme ou un homme pour entrer. Pour eux, les hommes sont comme des choses, ils ne font rien devant eux. La parole dit qu'ils vont y entrer. Et vous savez que la place d'un seul démon peut prendre, peut contenir sept autres démons. Donc vous savez qu'en ce moment il y a une pression qui s'exerce. Ça veut dire qu'ils vont marcher sur les pieds des uns et des autres. Et le cœur de cette personne va s'échauffer. Ouais. Oui. Voici ce qu'envoie la rétrograde. Sept démons. Et tu avais même un démon, c'était pas facile pour toi. Et à cette maintenant, sept démons qui viennent. Et celui qui était là-bas et qu'on l'avait cherché, lui, il est là. Et ça fait huit démons. Vous voyez comment il est difficile de chercher les démons. La raison pour laquelle Jésus a révélé. Que la rétrograde dans la vie chrétienne se convertit et rétrograder et aller dans les bars pour s'enivrer et aller dans les chambres noires pour aller commettre la débauche. La parole dit que huit démons vont venir entrer en toi encore. Huit démons. La faut délivrer ainsi. Et pour te délivrer, pendant 8 dernières années, tu vas vraiment marcher et user tes chaussures. Ah, ah oui. J'avais encore une personne pour sa délivrance. Il dit qu'avion, la mana, délivrance, yinga, la yakapam. Et il a dit qu'il a pris 4 avions pour se rendre dans un pays pour se délivrer, mais en vain. Raison pour laquelle, lorsqu'on lui a dit qu'il y a une personne qui peut le délivrer et que cette personne était près de lui, il a dit que c'est faux. C'est pas ici à Ouagadougou en tout cas. Je suis parti au Nigeria et je n'ai pas été délivré. Je suis parti même en Occident et je n'ai pas été délivré. Donc lorsqu'il est venu et qu'il a reçu la délivrance, c'est à ce moment qu'il a su. Que c'est pas parce que tu vas prendre des avions que tu verras le Seigneur. C'est par la sagesse et l'humilité que tu verras le Seigneur. Vous voyez? Si toutefois, s'il y a des rétrogrades dans votre église, et votre église, il y a environ 1000 personnes. Et s'il y a des rétrogrades parmi ces 1000 membres, et ils ont en eux 8 démons. Et vous vous levez un jour pour chercher les démons. Et les démons disent, vont dire, nous ne sommes pas à l'air libre. Et nous avons ce qui nous appartient dans cette église. À moins que cela ne sorte. Nous, nous n'allons pas sortir. Lorsqu'il se lève pour vraiment se mettre dans la prière, en ce moment, un grand combat est engagé. Et les rétrogrades en qui il y a 8 démons
D'autres commencent à être balancés. Et les démons crient en sortant. Et ils se mettent à la porte en les attendant. Et d'autres dorment. C'est ce que les démons font. C'est ce que les démons font. Donc ça fait que. Que tous ceux-là qui ont converti et se sont rétrogradés et les démons sont venus entrer en eux. Lorsqu'ils appellent le Seigneur de tout leur cœur, d'autres même commencent à tomber déjà. Parce que ces personnes ne sont pas converties. Et qu'il y a une porte pour eux de sortir. Donc il est obligé pour les démons. Mais comme il n'y a pas une porte pour eux pour sortir, donc la personne n'a pas avoué son péché. Lorsque je me suis rétrogradé, je suis parti boire l'alcool, je suis parti consulter les devins, j'ai commis la débauche, je suis parti voler. Donc du fait qu'ils n'ont pas ouvert la bouche pour avouer leur péché, il n'y a pas de porte pour le démon pour sortir. Mais lorsqu'ils ont demandé la puissance du Saint-Esprit, ce sont ces personnes-là qui tombent. Pour dire que ces deux puissances se sont rencontrées en eux. Mais toi, tu es petit. Dans sept démons qui entrent, qui sont en toi. Et que l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit va les rencontrer. Mais obligé pour toi de crier et tomber. Donc les démons sortent et partent chez eux, les attendent, reviennent. Parce qu'effectivement, on les a forcés. Mais comme il n'a pas avoué son péché, non, on l'attend à la maison. Donc même c'est de dire, sur le chemin, mais moi je vais l'attendre. Vous voyez? Vous voyez, ceux pour qui on prie et qu'ils crient et tombent là, c'est ainsi. Et les gens croient que lorsqu'ils crient et qu'ils tombent là, ils sont sauvés. Lorsqu'on prie pour une personne, la personne crie et tombe, la personne vient de sauver. Et c'est parce que ça a chauffé le démon et que le démon est sorti. Parce que ça lui dépasse. Et qu'il attend la personne là sur le chemin de la route. Demain ou après demain, celui qui est tombé hier là, celui qui a tombé demain, que parce que celui qui est sorti, il est venu pour prendre sa place. Vous voyez, lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il part chercher sept autres démons avec lui. Et qu'il vient rentrer. Il n'y a plus de place. Obligé pour vous de rentrer. De rester de moi. Toi, tu es petit. Et oui, demande en toi. Ils peuvent même pas s'asseoir. Ils sont obligés de s'arrêter. Et ton cœur, vraiment, il y a l'amertume. Et les gens, mais pourquoi ton visage est serré? Effectivement, cette question ne peut pas envoyer le sourire. Est-ce que ce démon peut être dans ton cœur et que ton visage va rayonner? Impossible. Parce que c'est la tristesse qu'ils ont là, qu'ils donnent à cette personne. Parce que ce sont les démons de l'enfer. Vraiment, lui là, son visage n'est pas. Je voulais, son visage est serré. Est-ce qu'il a mangé? Je te dis, oh, tu peux pas tout savoir. C'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Si vous ne cherchez pas les esprits impurs par la confession de vos péchés, comme le jour où tu t'es converti et que le seul démon qui était en toi a pris la porte, les sept autres qui sont venus entrer là, il va falloir confesser encore un péché. Quelle que soit ta puissance. Impossible. J'ai prié pour une personne.
On parlera même chien. Et on m'a montré, j'ai pas dû combattre les démons et j'ai détruit même la maison. Un tabjine. Et j'ai piétiné le démon. Gine Poaka. C'était un démon femme. Là, Gine Bien la carrière là. À ce moment, ce démon là a ri et elle a dit. Même si tu vas me tuer, je pars nulle part. Donc, tira, comme on a dit, pour dire que lorsqu'un chrétien ne confesse pas ses péchés, les démons ne partent nulle part. Lorsque dans le foyer d'un chrétien, il y a les bagarres et qu'il ne se pardonne pas, les démons sortent par combat, ils viennent et loger même chez vous. Vous voyez, ils viennent loger chez vous. Parce que eux, ils vivent dans les bagarres et dans les mésententes. Ils vivent même dans les souillures. Oui. Dans certaines maisons, les jeunes filles ont pris des grossesses. Et ils viennent prendre des pilules ou certains produits pour avorter. Et ils mettent même le bébé qu'ils ont avorté dans le WC et cela souille toute la cour. En ce moment, vous ne pouvez pas chasser les démons. En ce moment, parce qu'il y a l'esprit de moi qui y réside. Parce qu'il y a le sang d'un innocent qui a été versé. Pas que vous ne priez pas. Les démons vous ont vu. À moins que les gens ne reviennent sur la vérité. Par la confession. Impossible. Parce l'armée du diable combat. Oui. Raison pour laquelle. Vous devez savoir connaître les lois du Seigneur. Comme le diable connaît les lois du Seigneur. Lorsque vous désobéissez, lui, il rentre en vous. Donc vous aussi connaissez la loi. Et lorsque vous désobéissez, vous confessez et lui, il sort. C'est ainsi la chose. Toi, tu désobéis. Et tu fermes ta bouche. Parce que tu as honte. Voilà, ou bien tu as peur qu'on te critique. Et tu es assis avec des mauvaises pensées. Les démons ne sont pas là pour s'amuser. Non. Les démons sont là pour t'emporter avec eux. Depuis que tu t'es converti, il y a un démon chef qui te regarde. Toutes tes trajectoires, tes paroles et tout ce que tu commets là, il y a un démon, le chef des démons te regarde et t'observe. Si tu rentres dans la désobéissance, suivez-le. Voici, il donne un ordre, suivez-le. Et un démon se voit affecté. À moins que la personne ne confesse son péché, ne le laisse pas. Vous voyez. C'est ça le problème là. Donc Jésus est venu. Afin que les gens sachent que son sang qui a été versé juge les péchés et qui donne au diable, aux anges. Et les démons en ce moment ne peuvent pas tenir. Donc le but de l'enseignement. C'est pour vous permettre de juger un démon afin qu'il puisse plier barrage. C'est ça. Luc. Puis là, il y a plus là. Au verset 27. Voilà. Il a dit là-bas. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit,
Heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. La bamle quand même. Et il répondit. Nim ni shungu munam gwama sakdon. Barakwe bam jutuyita. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Bamba jindir da katen. Ces personnes-là, les esprits impurs ne peuvent pas les dominer. Baraka benin ninga. Heureux sont ceux-là. Qui écoute la parole de Dieu et qui garde la parole. Plus que la femme qui a mis au monde Jésus. Vous voyez. C'est une très grande chose. Obéir à la parole de Dieu est une très grande chose. Jésus nous a dit. Il assura ainsi. Pour cette génération qui est méchante. Pour dire que c'est parmi cette génération qui est méchante que Jésus vous a élu. Cette génération qui est méchante, vous y étiez dedans et vous avez été élu. Donc maintenant vous devez manger avec sa parole. Vous voyez. Dieu ne veut pas une personne qui est tantôt ici, tantôt de l'autre côté. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se sont gondolés. Ils sont devenus des voleurs de Dieu. Ce sont des gens qui déshonorent le Seigneur. Et les démons par là les bloquent. Et même jusqu'à les féticheurs les envoie l'opprobre sur eux. Votre Dieu qui a dit qu'il est puissant là. Pourquoi tu marches ainsi? Hein? Là, tu vaux mieux que ceux-là qui viennent nous consulter. C'est parce que la personne n'a pas la parole du Seigneur qu'il n'y a pas la bénédiction. Ouais. Vous voyez? Jésus n'a pas menti ici. Heureux sont ceux-là qui gardent la parole. Puisque la femme qui m'a mis au monde, moi Jésus. Vous voyez. Nous allons nous arrêter là. Afin que Dieu nous aide. Et la lumière que nous avons entendue là. Revenons sur l'obéissance du Seigneur. Jésus est venu pour les pécheurs. Mais Jésus ne voit pas de donner la raison. Il pardonne, c'est vrai. Mais si c'est la raison que vous voulez, il y a point de bénédiction là-dedans. C'est, oui, c'est moi, j'ai offensé. Et je demande pardon. C'est là-bas qu'il y a la bénédiction. C'est là-bas qu'il y a la victoire. Si vous êtes une personne vraiment qui aime frapper la poitrine, moi je n'accepte pas ça. Une personne ne va pas me déshonorer. Ne me regarde pas comme un insensé. Ça c'est pour le diable. L'esprit du Seigneur ne travaille pas dans ça. Là où l'esprit du Seigneur travaille, là où il y a l'opprobre. Et on vous marche dessus comme une chaussure. Et il vient vous élever. C'est ça. Et il vient vous élever. Un homme qui avait pris sa femme. Et il rentrait en ville. Et ils ont rencontré des bandits. Et ils ont fait descendre la femme. Et pour vraiment provoquer l'homme. Et lorsqu'ils ont provoqué cet homme. Lorsque l'homme a commencé à répliquer. Ils ont formé un point. Et ils l'ont tabassé jusqu'à ce qu'il tombe à terre. Et ils se sont retournés pour regarder la femme. Et ces bandits-là ont pris maintenant la fuite. Et la femme est venue prendre la main de son mari. Lève-toi parce que tu ne sais pas comment on boxe. Arrête-toi.
Il n'a pas dit à l'homme de répliquer. Il a dit, lève-toi à partir. Tu ne sais pas comment on se barre. Vous voyez. Mais il y a des gens qui prouvent. Tu vas laisser les personnes devant te frapper. Ils savent que l'homme est impuissant par rapport à ça. Tu vas les tuer pour rien. Gloire à Jésus. Nous allons ensemble. Et nous allons grâce au Seigneur. C'est que les informations que vous avez reçues par rapport au démon. Et qui vous aide en fait que vous puissiez prêter attention à vous-même. C'est parce qu'il vous manque l'obéissance à la parole de Dieu. Qui les huit démons sont revenus. Beaucoup en sont déjà possédés. Et on les appelle des rétrogrades. Et ils s'énivrent plus qu'ils faisaient avant. Ah oui. C'est vraiment c'est dommage. Donc ensemble, non grâce au Seigneur. Ben, on sait pas, Jésus. Beaucoup.